Et bonjour à tous, c'est Jamifra. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de ces deux coffrets, Mega Dracaufeu XX et Mega Dracaufeu YX. Là vous voyez un peu la caméra qui bouge parce que les coffrets sont énormes et donc je suis obligé de porter le téléphone au-dessus pour bien vous les filmer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir à part hors caméra, puis je vous retrouve tout de suite. Et donc nous revoici pour l'ouverture des coffrets Mega Dracaufeu. Donc j'ai mis à gauche tout ce qui provient de ce coffret avec Dracaufeu X. Et à droite, tout ce qui provient du coffret Y. Je vais très vite donc vous montrer ce que c'est, puis on va faire un peu une compétition, genre quel est le coffret le mieux. Tout d'abord, la carte promo, c'est la XY17, un beau Dracaufeu. Après, vous savez, quand vous touchez une carte X, vous avez un peu le sentiment d'une épaisseur et tout sur la carte, vous voyez. Et ben là, je l'ai touché, la carte elle est grattante comme si c'était une commune simple. C'est assez bizarre. Enfin bref, c'est comme ça. Voilà, donc du coup j'en ai deux, mais la deuxième n'est pas à l'échange, je vais la garder un peu. Parce que je pourrais toujours m'en servir. Voilà. Donc je vais mettre de côté. Ensuite, donc on a les codes online Dracaufeu. Pareil, ceux-là je les garde. Oh purée, mais mon code online par contre il est super crade quoi. Regardez quoi, il y a du noir sur le ventre du Dracaufeu. J'ai jamais de chance moi. Bref, c'est pas grave. Je les garde aussi parce que je joue en ligne. Les Jumbo, c'est exactement les mêmes que les cartes de la série Étincelle. C'est bête, si j'avais été intelligent, donc attention, ça veut dire que ce n'est pas le cas, j'aurais sorti les cartes, les vraies cartes, pour vous les montrer. Je ferais ça au récapitulatif. Je sortirais mon Dracaufeu X et mon Dracaufeu Y, puisque je les ai toutes les deux. Et voilà. D'ailleurs, en Étincelle, il me manque une seule carte, hein, il me manque le Kangoura X Full Art. Donc si je ne l'ai pas dans cette ouverture-là, et que vous l'avez, dites-moi ce qui vous intéresserait ou demandez-moi ce que j'ai à vous échanger et on pourrait faire affaire. Voilà, donc Dracaufeu X est pour moi la plus belle Dracaufeu Y. La plus belle en jumbo. Après, en vraie carte, je pense que je préfère la X. Mais pour moi, la jumbo Y sent mieux que la X. Voilà, je vais la mettre de côté, je sais pas où. Voilà, et donc, touc. Alors, j'ai pas fait exprès, mais on a de la chance. On n'a aucune illustration double. Dans le coffret Dracaufeu X, on a un méga Scareno, un méga Lucario, un méga Kangorex. C'est un peu le coffret méga, vous voyez. Et dans l'autre, on a méga Dracaufeu Y, dans le coffret Dracaufeu Y, suivi de Brutalibré et Rexilius. Donc on a un peu de la chance. Et on va s'ouvrir ça tout de suite. Alors, on va commencer par lequel? Allez, coffret Dracaufeu X. Coffret Dracaufeu X. Allez, go. Attendez, je reviens tout de suite. J'ai un petit souci, je reviens tout de suite. Oui, donc me revoilà, c'était une micro-coupure juste parce que j'entendais mon frère et mon sœur se disputer, donc j'ai pas envie que vous entendiez une petite bagarre en fond, ouais, c'est assez dérangeant pour vous et aussi pour moi. Ouais, donc on va commencer par le coffret Dracaufeu X. D'ailleurs, le booster est tellement mal fabriqué encore. C'est plutôt dégueu. Voilà, donc on va commencer par la série Étincelle. Donc Étincelle, j'ai toutes les cartes sauf Dracaufeu. Pas. Non, Kangoura Flex là. Et par contre j'ai aucune secrète mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. Si j'ai une secrète je la garde. Si j'ai pas de secrète je ne la garde pas. Enfin je ne la cherche pas plutôt. Parce que c'est les mêmes que la vraie série, donc je m'en fous un peu. Voilà. Est-ce qu'on va bien voir? La macro elle est faite là ou pas? On va voir ça. Ouais, elle a l'air d'être faite pourtant. Ça m'étonne un peu. Ah bah c'est mieux comme ça. Alors c'est parti. Mistébouée, Fluvetin, Granipio, Venalgue, Lixi, Coiffarel, Colimucus, Flambeau incandescent, en reverse encore Mistébouée, Era, Fermite. Ok. C'est assez pourri en fait. Je me souvenais même plus que c'était une rare. Enfin que Spoken était dans cette série. Bon, au moins, si je me souviens. Alors, par contre, Mistébouée, je sais que j'avais déjà en double, donc du coup, j'ai une entrée. Ouais, si c'est une rare qu'on voit pas souvent, Fermite, c'est pas si gênant. Bon, c'est un mauvais booster, mais bon, voilà. Ensuite, booster Méga Lucario X. J'ai toutes les cartes de la série régulière. Et en ultra, j'en ai 7, 6, j'ai 6 ultra. J'ai le Scarino, le Méga Scarino secrète, j'ai le Lucario. Non, j'ai Méga Lucario plutôt, ouais. J'ai le Dracolos, j'ai le Brutalibré et j'ai le Journaliste des combats. Ça fait 6. Hop, si vous entendez du bruit, c'est le chien qui ouvre des portes tout seul.
qui vient nous rendre visite. Alors, Poussifeu, Exelang, Evoli, Sonistrel, Parécoule, Tyranidur, L'Entretien, Vibranin, ce qui est en train de sourire. Ah, Brutalibré, Holoriverse. Sympa. Et oh, et Brazegali Holo. Super. Bah, ça fait deux holos en un seul booster, donc excellent booster. Ouais, excellent. Je mettrai ça sous pochette juste après pour le récap. Mais non, non, excellent. Et dernier booster du coffret Dracofeu X, Scarino, Mega Scarino. Je vais essayer de bien ouvrir. Bah, j'ai essayé de bien ouvrir, mais c'était pas trop convaincant. Le code en ligne. 82. J'aimerais bien avoir une ultra quand même sur ces deux coffrets, ce serait sympa. Alors, Pandespiègle, Machoc, la carte a déjà un point noir, quand même. Là, c'est pas grave. Makuhita, vaut mieux que ça tombe sur une commune que sur une rare. Rapion, Kungfuin, on voit mal les cartes, j'aime pas ça. Échange d'énergie, Capoeira, collecte d'outils. En reverse, le Balignon, d'accord. Et Drascor en rare, ok. Bah, ça aurait été un coffret. Bah, il y a un booster qui a été bien, quoi. Donc, coffret très mitigé avec une holographique et une holo reverse, c'est ce que je retiens. Bon, je pense que Dracofeu Y n'aura pas beaucoup de mal à faire mieux, mais ne sait-on jamais si ma poisse légendaire revient. Parce qu'en ce moment, j'ai de la chance. D'ailleurs, je vous ai pas dit. Je vais en profiter pour vous le dire. J'étais à la Toys R Us, bah, acheter ces coffrets, et ils avaient des Pokébox Yveltalex, qu'ils avaient récupéré, je sais pas pourquoi. J'en ai acheté deux, il y en a une que je vais pas ouvrir, et j'en ai ouvert une pour moi, je vais pas filmer parce que j'ai déjà ouvert une Pokébox Yveltal sur la chaîne. Et la meilleure Pokébox de ma vie, quoi. Je crois que j'ai eu une holo, j'ai eu Xerneas X Full Art, et j'ai eu, j'avais deux boosters Tempête Plasma déjà, donc c'était très bien. Et j'ai eu récepteur aléatoire secrète de Tempête Plasma. Donc vraiment excellent, quoi. Une secrète, une Full Art. Bon, après, en Tempête Plasma, il y a trois secrètes. Il y a le Dracofeu, il y a le Tortank, il y a le récepteur. Faut que je tombe sur le récepteur, mais bon. Voilà, excellente Pokébox. Donc... Ouais, d'accord. Bon, première fois que j'ouvre un booster comme ça, moi. Donc, booster étincelle. Là, en étincelle, même les rivers, c'est des chances que je les ai déjà. Hein. Je sais pas si j'ai bien fait l'un, deux, trois, un, deux, mais j'ai pas envie de retourner en arrière. Macro. Allez, tac. Et tac. Roucoule. Flabébé, Galvaran, Fouinette, Elionceau, tout mignon, Coiffarel, qui a aussi un point noir, Escroco, le Fun Club Pokémon, en reverse Pomme de Pique, non, mais non, mais non, non, mais c'est quoi ce troll ultime du Fermi, quoi? Bon, bah, Fermi, t'en rare, écoutez, je l'avais pas en double, mais maintenant je l'ai en triple. Allez. Point furieux. Il est bien dodu ce booster. Ah oh oui, hey, il est beaucoup plus dodu celui-là. Hey, je vais le prendre pour la fin. Rexilius. Je sais pas, je le trouve dodu. Je sais pas, peut-être qu'il y a 11 cartes au lieu de 10 ou il y a 2 codes online. Ou, je ne sais pas. Mais je le trouve plus. Oh non, hey, regardez, c'est peu commune tellement. Mais. Vous voyez ça? Tiens, je regarde ce que c'est pour la peine. Voilà, c'est un Machopper. Du coup, je retire que 2 cartes. Voilà. On aura un booster de 9 cartes. Alors, Makuhita, Balignon, le Pointir-Bouchon de Bagiguan, Petitard, Cracnoix, Cornelia, j'ai l'impression que les cartes sont toutes mal centrées dans ce booster. Ah, j'ai retiré deux cartes. Tetart, Boreasra River, ça c'est cool, et Polagriffe en rare que j'ai déjà en double ou en triple. Bah, c'est vraiment pas fameux, hein. Bon, le booster d'Odu, il va peut-être me sauver la vie. Mais vraiment, je le sens dodu. Même vous, vous pouvez voir qu'il est dodu, là, comme ça. Oui. Alors. Hop. Bon, là, les cartes étaient tellement disséminées dans le booster, j'ai vu que les bords jaunes, je suis un peu triste. Allez, au moins une holo, parce que si j'ai une holo et une rare reverse dans celui-là, c'est quand même ce coffret-là qui l'emporterait. Parce que j'ai déjà eu une rare reverse aussi. Alors. Scrutella. Makuhita. Machoc. Flangoust, Evoli, Vibranin, j'ai l'impression qu'on va toujours les cartes. Peignoir Scintillant, Tyranidur, en reverse, Soporifique,
Et Brazegali holographique. Mais c'est quoi ce... Oh là là. Bah c'est... Bah je pense que c'est le premier coffret qu'il l'emporte. Hein. Je pense que c'est le Dracaufeu X. Ah, c'est pas grâce à Fermite, c'est sûr. Mais ouais. Bon, c'est un peu du foutage de gueule. En plus, la carte est pas très intéressante et elle est mal découpée en bas. Il y a des traces de la carte du dessus ou du dessous. Enfin, vous voyez pas trop bien. Bon, bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour un petit récapitulatif. Allez, à tout de suite. Et donc nous revoilà pour le récapitulatif de cette ouverture. Donc on a eu bah déjà, comme c'était les coffrets, bah, le coffret Mega la Jumbo Mega Dracaufeu XX. Et ça c'est la normale. Voilà, bah, personnellement, je ne vais pas vous cacher, mais je préfère la Jumbo. Alors les effets de brillance sont exactement aux mêmes endroits hein, quand on regarde bien. Mais personnellement, je préfère la Jumbo. Voilà. Et on a eu Mega Dracaufeu Y en Jumbo, qui est ma Jumbo préférée. Et qui oh, elle est peut-être plus belle quand même en vrai par contre, enfin en carte petit format. Voilà. Dans chacun de ces coffrets, on a eu un Dracaufeu X comme celui-ci, la XY17. Voilà, je vous montre vite fait juste celle-là, c'est un que je vous montre les deux. Et alors, pour cette ouverture, comment, ce récapitulatif des deux coffrets, je vais faire un peu donc une battle entre les deux. Alors, vous allez quand même assez rire, je pense. Donc, première reverse de chacun des deux coffrets, on a eu Musté Boué et Pomme de Pique. Et la rare de l'étincelle, on a eu Fermite et Fermite. Ensuite, la reverse du deuxième booster, on a eu Brutal Ibris Soporifique. Et la rare du deuxième booster, on a eu Brazegali Holo et Brazegali Holo. Enfin, on a eu en reverse dans le dernier Boréas et Balignon. Et il y aura, on a eu Drascore et Polagriffe. Plutôt l'inverse. Polagriffe et Drascore. Donc, comment dire que c'est vraiment pourri. Après, je pense que c'est quand même le coffret de le X, celui de gauche, qui gagne. Parce que il y a autant d'holos du coup, il y a autant de rares. En plus, c'est les mêmes. Mais dans les reverse, il y a deux communes de chaque côté. Mais il y a une rare et une holo. Donc je pense que c'est le côté holo qui l'emporte. Donc c'est grâce à ce petit Brutal Ibris 70 PV holographique qui l'emporte. Donc voilà, je pense que Dracaufeu X bat Dracaufeu Y. Voilà. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo, ce sera vraiment une mini vidéo un peu spéciale. D'ailleurs, vous pouvez le voir juste ici, ce petit booster. Lisez ce qui est écrit dessus, vous verrez que c'est pas du français. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous dis à la prochaine.